Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut faire l'archivage des données et aussi des alarmes. Okay? Mais bon, dans cette vidéo, donc, on va pas utiliser les techniques script. Donc, vous pouvez trouver d'autres vidéos dans ma chaîne YouTube où j'ai utilisé les techniques script pour connecter une base de données ou bien un fichier Excel pour faire l'archivage des données. Okay? Donc, je vais utiliser l'option qui se trouve dans le UCC Archive pour l'archivage des données et des alarmes. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à s'abonner à notre chaîne YouTube Hamad Ibn Sessi, où vous allez trouver plusieurs vidéos, comme vous remarquez, sur les automates CMS, Alan Bradley, Schneider. Donc vous allez trouver plusieurs vidéos dans le domaine automatisme. Ok, donc ici, je vais donner cahier de charge ici. On va supposer que nous avons un four équipé par un capteur de température qui permet de mesurer la température entre 0 et 850 degrés Celsius. Donc, à chaque modification de la valeur de la température, je vais enregistrer la valeur, cette valeur, par exemple, dans un fichier Excel, à chaque modification de la température. Et aussi, on va définir une alarme de la façon si elle atteint 650 degrés Celsius. Donc on va déclencher une alarme et cette alarme sera enregistrée elle aussi dans un fichier Excel. Ok, donc ici on va commencer d'abord par on va utiliser TIA pour cet exemple. Donc ici je vais créer un projet. Donc la première étape c'est la création d'un projet. Ensuite on va choisir par exemple un domaine de 7200. Vous pouvez choisir n'importe quel automate, 7300, 7400, 7200, 7500, comme vous voulez. Okay? L'option archive, c'est une option qui se trouve au niveau WinCC. Ce n'est pas toutes les WinCC qui contiennent cette option. WinCC basique, on ne peut pas trouver dans le WinCC basique l'archive. C'est-à-dire, on se parle de WinCC basique, c'est-à-dire pour les panels basiques. Et il ne supporte pas l'option archive, donc on peut le trouver dans le WCC Advanced ou bien WCC Professionnel. Donc ici je vais créer un projet, créer, configurer un appareil et on va choisir par exemple un automate S7200 pour notre exemple. Contrôleur S7200 CPU par exemple on va travailler avec 12 onces. Je vais déclarer une entrée analogique, donc je vais définir une variable. Voilà, je vais l'appeler par exemple 7 ans et je vais faire la mise en échec de cette entrée. Donc, si vous connaissez pas comment vous allez faire la mise en échelle, donc vous allez trouver vous trouvez une vidéo qui explique ça dans ma chaîne YouTube Hamad Ibn Sessi. Donc, c'est pas l'objectif de cette vidéo, donc, mais bon, je vais passer. Donc, ici, on va le faire avec norme X Scale X. Pour le S7200, donc je vais convertir ces temps qui est entre 0 et 27148. Je vais convertir par exemple à une valeur intermédiaire, définir au niveau mémoire, puis je vais entrer cette valeur inter et je vais le convertir entre 0 désolé entre 850 et 1000 degrés Celsius. Okay. Dans une valeur, par exemple, dans le niveau mémoire, température, c'est la valeur réelle qui est entre 0 et 27 148, donc c'est un réel.
entre 0 et 850 degrés Celsius. Donc pour notre cas, on va faire l'archivage de la température et c'est pas cette température. Donc température qui est la valeur entre 0 et 850 degrés Celsius. Okay. Donc ici on va passer à la partie supervision. Donc ici par exemple je vais acheter un système PC général car j'ai un simple PC. Et je vais utiliser comme module de communication, donc les 7 conditions possèdent un port profilé, donc je vais utiliser 4 réseaux généraux qui se trouvent au niveau de mon PC. J'ai pas un 4 si mince. Et comme application, bien sûr, j'ai installé ici seulement Advanced, donc je vais utiliser ici Advanced. Si vous allez professionnel, vous allez trouver Advanced et professionnel. Okay? Donc vous pouvez choisir par exemple Advanced professionnel comme vous voulez. Bien sûr, Advanced professionnel possède l'option d'archivage. Donc après que nous avons fait ça, donc ici on va aller à HMI. Vue, on va ajouter une vue. Donc ici, je vais ajouter un bouton pour arrêter la supervision. Par exemple, je vais appeler stop. Donc si je clique sur ce bouton, donc j'arrête l'événement. Je vais arrêter la supervision en clic stopper un time. Et je vais ajouter un champ d'entrée sorti pour afficher la température. Propriété générale, je vais connecter pour afficher la température. Variable API, température, c'est pas cette temps, c'est la température, c'est la valeur après la mise en échec. Bien sûr, je vais mettre comme affichage, c'est-à-dire au niveau sortie. Ok, donc ici, comme vous remarquez, donc nous avons ici l'option archive. Cette option, vous n'allez pas trouver si vous avez utilisé le message basique ou bien lorsque vous allez travailler avec le panel basique. Donc ici, je vais cliquer sur l'archive. Ici, nous avons deux options. Ou bien, on va faire l'archive. Vous allez faire l'archive de variable. Ou bien, vous allez faire l'archive d'alarme. Mais bon, ici, pour notre cas, je veux faire l'archivage de la valeur température. Donc, ici, je parle de archive de variable. Okay? Donc, je vais ajouter une archive. Je vais appeler, par exemple, archive température. C'est le fichier que je vais créer. Ici, pour le type lieu d'archive, est-ce que vous allez utiliser base de données pour faire l'archivage ou bien fichier CSV, c'est-à-dire fichier Excel ou bien fichier te texte. Mais pour notre exemple, on va utiliser un fichier Excel, c'est ça. Donc on va faire un fichier CSV. Combien d'enregistrements vous allez mettre dans votre fichier? Et ici, l'emplacement. Donc ici, par exemple, je vais mettre où je vais enregistrer le fichier que je vais créer qui va contenir la valeur de la température. Donc ici, par exemple, je vais mettre dans le bureau, dans le fichier archive, dans un dossier qui s'appelle archive. Donc ici, j'ai spécifié l'emplacement. Donc ici, je vais créer un archive que je vais l'appeler archive température. Je vais créer un fichier Excel CSV et je vais l'enregistrer dans cet emplacement. Okay? Donc qu'est-ce que je veux mettre dans ce fichier Excel? Donc, je vais mettre ici variable. C'est quoi la variable? Quelles sont les variables que je vais l'enregistrer dans ce fichier? Donc pour notre cas, je vais utiliser une seule variable. Donc vous pouvez ajouter plusieurs variables dans le archive. Mais pour notre cas, on va ajouter une seule variable. Je vais appeler par exemple température. Ça c'est le nom. Je vais le récupérer ici de l'automate température. Donc ici la variable que je vais récupérer au niveau automate. Ici mode d'acquisition. Ici, nous avons trois options. Ou bien cyclique. Qu'est-ce que ça veut dire cyclique? À chaque combien vous allez enregistrer
votre valeur. Par exemple, ici, 5 secondes, c'est-à-dire à chaque 5 secondes, il va récupérer la valeur de la température et il va l'enregistrer dans le fichier Excel. Ici, vous pouvez choisir le cycle que vous voulez. Par exemple, si je veux par chaque 15 minutes, c'est-à-dire ici, on ne va pas trouver cette option. Donc, on peut l'ajouter. Et ici, on va mettre le nom, par exemple, 15M. Ici, vous allez choisir le temps, c'est le 15, et l'unité, c'est le minute. Ok, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter le cycle que vous voulez. Mais bon, ici, vous avez une autre option sur demande, c'est-à-dire c'est à vous allez autoriser quand vous allez faire l'archivage de données. Ou bien sur modification, qu'est-ce que ça veut dire sur modification? C'est là, à chaque fois que la température change de la valeur, elle va l'enregistrer. S'il ne change pas, donc elle ne va pas l'enregistrer. Elle va l'enregistrer une seule fois. Okay? Bien sûr, sur modification, on n'a pas un cycle. C'est-à-dire, lorsqu'il existe un changement, elle va l'enregistrer. Donc ici, vous pouvez donner des limites. Limite inférieure, limite supérieure de l'archivage. Donc c'est bon, donc ici que je l'ai fait, j'ai créé un fichier Excel, je vais l'appeler archive température. Ce fichier Excel, on va l'enregistrer dans ce schéma. Et dans ce fichier, je vais enregistrer la valeur température à chaque modification de la température. Donc après que j'ai tout spécifié tout ça, on va le tester le programme. Donc ici, je vais lancer le PCC. Mais bon, si vous avez tout matériel, donc c'est pas nécessaire de lancer le PCC. Donc ici je vais charger avec le réseau Profinet, lancer la recherche. Charger. On va charger le programme. Charger le programme. Démarrer l'automate, terminé. On va ouvrir notre PC ici. Projet, nouveau PCSim, je vais créer un nouveau PCSim pour faire la supervision. Créer.
Donc on doit l'étable ici. Donc je vais ajouter ici donc, 7 ans et température. Par exemple, si je vais mettre donc je vais en changer ensuite. Après que j'ai ajouté le tomate, je vais lancer aussi le HMI, notre partie supervision. Bon. Donc ici je vais changer plusieurs valeurs. Par exemple ici 13 000, c'est-à-dire 13 000, c'est-à-dire 399 99 degrés Celsius, 17 000, 522, c'est-à-dire ici le capteur il est en train de changer la valeur. Ok, 5 000. Donc ici ça c'est la valeur de la température, 153. Donc ici j'ai enregistré plusieurs valeurs de notre capteur. Ok. Donc ici je vais voir qu'est-ce que ça va donner au niveau archivage. Donc ici au niveau de l'archivage, donc j'ai mis dans le archive. Donc voilà notre fichier qui s'appelle archive température. Je vais l'ouvrir. Donc c'est un fichier Excel que vous remarquez. On va voir est-ce qu'il a enregistré les données de température à chaque modification, que j'ai mis. Je vais agrandir un peu ici. Donc voilà, c'est la valeur de température. Je vous donne ici la date de l'enregistrement, la valeur, ok, 399, 522, 307, 163, ici pour indiquer la fin de l'enregistrement, 0, c'est RT off pour indiquer la fin de l'enregistrement. Donc voilà les valeurs de la température que j'ai pu l'enregistrer dans un fichier Excel, bien sûr à chaque modification, donc c'est-à-dire 399, il n'a pas répété plusieurs fois. S'il y a modification, il va l'enregistrer. Donc j'ai pu ici, à travers cette technique, d'enregistrer la valeur de la température. Ok. Mais bon, il existe une option ici. J'ai pas parlé de cette option. Normalement, je vais le trouver où? C'est ça. Comportement au redémarrage. Ici, vous avez deux options. Adjoindre à l'archive, c'est-à-dire lorsque vous allez arrêter la supervision, vous allez relancer une autre fois la supervision. Il ne va pas afficher, il ne va pas supprimer les données, anciennes données. Donc, il va continuer à faire l'archivage. Si je mets remis à zéro à l'archive, c'est-à-dire à chaque fois qu'on arrête la supervision, on va faire le redémarrage de la supervision, il efface toutes les données. Ok, c'est-à-dire si vous mettez cette option, donc vous devez à chaque jour prendre le fichier et le mettre dans un autre emplacement, car sinon il va effacer toutes les anciennes données. Ok, donc à travers cette technique, on a pu faire l'archivage de les données. Donc ici, je vais vous montrer comment on peut faire l'archivage des alarmes. Avant de commencer à faire l'archivage des alarmes, on va définir une alarme. Bien sûr, ici, on parle d'une alarme analogique. Donc on doit aller à alarme IHE. On va définir une alarme.
ajouter. Donc ici, par exemple, texte temps max dépasse c. Donc ici, je vais mettre par exemple dans une classe personnalisée. C'est pas par défaut l'erreur. Donc je vais ajouter une classe que je vais l'appeler par exemple alarme faux. Oh, ok. Donc j'ai mis dans un nouveau cas classe. C'est quoi la variable que je vais contrôler? C'est la valeur de la température. À quelle valeur que je vais tester? Je vais déclencher une alarme si on dépasse, si on est supérieur à 650 degrés Celsius. Donc ici, j'ai créé bien sûr ici l'alarme. Ok. Donc qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je vais faire l'archivage de cette alarme. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller archive. Donc cette fois, on va archive alarme. On va créer notre archive. Je vais l'appeler par exemple archive alarme. Ici, je vais mettre par exemple dans un fichier Excel. Aussi, je vais mettre dans le même emplacement, dans le bureau, dans un dossier que je vais appeler archive. Donc, bureau, archive, sélectionner ce fichier. Ce dossier, désolé. Et ici, vous devez cocher cette option, archive le texte. C'est-à-dire, il va. C'est-à-dire, le texte. Niveau max dépassé. Donc ici je vais cocher ça. Et bien sûr ici vous pouvez ici vous avez le choix ou bien de d'ajoindre à l'archive si vous avez arrêté la supervision ou bien il va effacer toute l'archive à chaque démarrage de WinCC. Donc bon, je vais ajouter l'archive. Ok. Donc ici j'ai créé un archive que j'ai appelé archive alarme où je vais dans un fichier Excel l'emplacement. Mais bon ici on doit spécifier quelles sont les alarmes que je vais enregistrer dans cette archive. Donc comment on peut faire ça? Donc il n'existe pas comme les variables une autre option pour faire choisir quelles sont les alarmes. Donc ici je dois aller à l'alarme HR. Je dois aller aux classe d'alarme. Et ici je vais choisir quelle classe je veux l'enregistrer. Pour notre cas, je veux alarme classe alarme faux. Donc ici option archive, donc toutes les alarmes qui apparaissent qui appartiennent à la classe alarme faux, je vais l'enregistrer où ici dans le archive alarme que j'ai créé. Ok, c'est-à-dire dans le classe, dans le niveau de classe d'alarme, toute alarme qui appartient à cette classe, donc il va être enregistré dans un archive que je vais l'appeler archive alarme. Ok, donc on va tester ça. Je vais lancer notre HMI. Je vais déclencher des alarmes. De telle façon, je dépasse le 600 degrés, 650 degrés Celsius. Par exemple, ici, je vais mettre 23 707 degrés Celsius. Donc, je vais déclencher une alarme. Je vais descendre maintenant. Par exemple, je vais mettre 400. Je vais une autre fois 25 000. Donc, ici, j'ai dépassé 650. J'ai déclenché plusieurs fois des alarmes. C'est bon, donc on va voir est-ce qu'il a enregistré les alarmes ou non. Bon, j'ai laissé le fichier Excel ouvert, donc je dois refaire ça. On ne va pas laisser le fichier Excel ouvert. On va revenir à zéro.
Est-ce que je vais dépasser, je vais dépasser le 650 degrés Celsius. Donc, par exemple, je vais mettre 23 000, 707 degrés Celsius. Donc, si je vais déclarer plusieurs fois, je vais déclencher plusieurs fois une alarme. 20. Donc, j'ai déclenché plusieurs fois des alarmes. Ok. Maintenant, on va voir est-ce que nous avons enregistré bien les valeurs ou non. Donc, on doit aller à notre bureau. Archives. Ici, j'ai pas vraiment dit une petite faute. Pourquoi il n'a pas enregistré? On va vérifier. Bon, je vais relancer une autre fois. Je vais voir. Je vais déclencher une autre fois avant des alarmes. On va tester cette fois. 24 000. C'est-à-dire que c'est passé de 650 degrés Celsius. Donc je vais déclencher plusieurs fois des alarmes. 25 000. On va voir maintenant est-ce qu'il a bien archivé ou non. Donc normalement il se trouve dans le archive. Voilà. Archive, c'est ça, archive à la alarme. Donc il a créé ici. C'est bon, on va l'ouvrir. Donc voilà les alarmes. Donc ici on va aller aux options N. Donc ici, la date de l'apparition de notre alarme, le texte. Ok. Donc ici, comme vous remarquez, il a bien enregistré toutes les alarmes qui sont apparues dans notre partie supervision. Okay? Mais bon, comme vous remarquez, les données sont pas bien organisées. C'est pour cette raison qu'il faut mieux faire l'archivage avec programme script, connexion avec script. C'est plus professionnel au niveau récupération des données. Merci pour votre attention.